Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons reconstruire ensemble la table de multiplication par 5 en vidéo. Pour cela, j'ai réalisé un tableau de numération avec une colonne pour les dizaines, de la couleur des dizaines, c'est-à-dire le vert, et une colonne pour les unités que j'ai représentée ici en noir car je n'ai pas de feutre jaune. J'ai également à ma disposition du matériel de manipulation, des pailles unités que j'ai ici en rose puisque je n'ai pas de jaune, et des pailles dizaines qui sont de la couleur des dizaines, c'est-à-dire le vert. Commençons maintenant à construire la table. Premier résultat que nous allons chercher, 5 fois 0 ou 0 fois 5. Nous n'avons aucun paquet de 5 pailles. 5 fois 0 ou 0 fois 5 égale 0. Passons à la ligne en dessous avec 5 fois 1 ou 1 fois 5. Je prends cette fois-ci 5 pailles roses. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 fois 1 ou 1 fois 5, ce qui fait que je remplace mon 0 des unités par un 5. 1 fois 5, 5. 5 fois 1, 5. Passons maintenant à 5 fois 2. 5 fois 2, je prends un deuxième paquet de 5 pailles. 1, 2, 3, 4 et 5, ce qui me fait en tout 10 pailles. On peut les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ces 10 unités, je peux les remplacer par une dizaine. J'enlève donc mes unités et je prends une paille verte qui correspond à ma nouvelle dizaine. Dans mon tableau, je peux maintenant écrire une dizaine. Et on voit bien que je n'ai plus du tout de paille rose. J'écris donc 0 unité. Ça me fait 10. Mais dis donc, j'ai quand même l'impression ici que je compte de 5 en 5. 0, 5, 10. Si je fais encore plus 5, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais simplement garder ma dizaine et ajouter à cette dizaine 5 unités, 1, 2, 3, 4, 5, les voici ici. 10 plus 5, ça fait 15 avec mes 5 unités, et ici, ma dizaine. Étape suivante, je vais changer de dizaine, puisqu'en rajoutant 5 unités, je vais avoir cette fois-ci 2 dizaines et 0 unité. Alors j'arrête la manipulation avec les pailles, mais tu peux compléter avec moi. 20 plus 5 pour 5 fois 5, ça fera 25. 5 fois 6, je vais passer à 3 dizaines et je n'aurai plus d'unité. Oups, erreur de couleur. Ça me fait 30. Ensuite, 5 x 7 ou 7 x 5, 35. 6 je continue avec 5 x 8, je passe à 4 dizaines et je n'ai plus d'unité. 40. 5 x 9. Ça me fait 45. Et enfin, 5 fois 10. On verra plus tard qu'en multipliant par 10, il suffit d'ajouter un 0 au nombre qu'on multiplie. 5 fois 10, ça me fait 5 fois une dizaine, c'est-à-dire, oups, erreur de couleur, 5 dizaines, 50. C'est facile de construire les tables finalement. Alors nous allons voir maintenant
comment nous pouvons calculer les multiplications avec nos doigts sans utiliser cette table, parce que tu ne l'auras pas toujours sous les yeux. Dans notre exercice ici, le numéro 3, on nous demandait de calculer 5 fois 3. Eh bien, il va me suffire de compter de 5 en 5 sur mes doigts. 3 fois. 5, 10, 15. Donc, je peux écrire que 5 fois 3 égale 15. La multiplication d'après, c'était 5 fois 4. Eh bien, pareil, je compte avec mes doigts 4 fois 5, 10, 15, 20. 5 fois 4, ou 4 fois 5, c'est la même chose, égale 20.